Non, mais c'était vraiment un beau personnage. Ouais, tu m'as donné du plaisir parce que il y avait une humeur, il y avait plus que ce que j'avais imaginé. C'est vrai? Oui, oui. Mais c'est ce que tu voulais un plus. Oui, oui, voilà. Non, mais je t'assure. Bon, bah, c'est bien, c'est ce que je trouve. Ouais, ouais, il y a une espèce de lumière, une espèce de spiritualité déconnante du personnage que je trouve bien. Ouais. Et en même temps, il est profond, quoi. Tu vois, il a une espèce de... Il est à la fois, il a une maturité infantile et en même temps on croit vraiment à son personnage de pasteur, quoi. Ouais. Non, non, je suis très... Et puis en contrepoint avec Christophe, je trouve que ça fonctionne très bien. On a bien joué ensemble, je trouve. Ah ouais, j'étais ouais, content ouais. En tout cas que Marc me dise ça, parce que je suis sûr que pour lui c'était un compliment de me dire que je faisais partie d'un univers à la RG et que je pouvais ressembler au style de personnage qu'on pouvait rencontrer, qu'on peut rencontrer dans les albums de Tintin. Il m'aurait proposé n'importe quel rôle, je pense que je lui aurais dit oui. C'est pas le rôle qui m'a fait dire oui, c'est l'aventure. Et ouais, puis j'ai trouvé le scénario très beau. J'ai trouvé que Marc Rivière était un type qui se la pétait pas, il jouait pas l'artiste et en même temps il était complètement dans son projet et j'ai trouvé ça vachement bien. Je suis très content moi d'avoir fait ce film là. On peut, Stéphane? Faites partir le train! Tu vas sur quelle voie là? Rossène? Putain, mais t'es fou ou quoi? Quand on parle des cascades, je m'amuse avec ça. C'est-à-dire. Je pense que ça vient d'un besoin affectif où tu te dis, est-ce qu'on m'aime vraiment? Est-ce que Marc, il va vraiment avoir peur si j'attends que le train il soit 50 cm de moi avant de sauter? Ça me plaisait beaucoup quand Marc il s'énervait en disant, mais arrête, mais t'es fou, couronnez, saute! Bon, ça me plaît parce que j'ai l'impression qu'on m'aime. Le metteur en scène, c'est mon papa. Je lui fais confiance, c'est-à-dire c'est une confiance totale. Après, c'est un échange, c'est un dialogue, c'est quelque chose que j'aime chez Marc, c'est que c'est toujours dans la construction. Cut, merci beaucoup de cette interview. Merci à toi. Texte à tête. Voilà, c'est très bien. Toi aussi, c'est pas mal. Mais tu as tourné la tête. Va bouger. C'est bien. Texte la tête. À moi. C'est bien. La tête. Assis. La tête. C'est bien. Attends. Maintenant. Assis. Tu vois, faut pas les petits détails les appeler au centre. Ça devient la pagaille. Hé, hey, la tête là. C'est bien mon grand. Oui. On se calme. Je suis trop gentil avec toi, t'en profites pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je te donne 10 dollars et tu me donnes ton lièvre. Comme ça, je n'ai pas rentré de lui. Le lièvre n'est pas à vendre. Comment ça, je n'ai pas à vendre? 20 dollars. Mais ça. 30. Bonjour, c'est... Nom de Dieu, je te donne 50 dollars et tu me nettoies les bottes. Moteur! Moteur demandé! Tournons. Sound is rolling! Ça tourne? Action! Portez! Louis a déjà dit c'est un lièvre. Sors un peu pour voir. Sors ton lièvre. Oh, sors! Hé! Sors un peu pour voir. Sors ton lièvre. Oh, sors. Hé hey. Oh, de Dieu. Tu me donnes ce lièvre. Il n'est pas à vendre, je vous dis. Tu me donnes ce lièvre ou je t'allume? Merde, lui, si c'est un pas de sport de se le faire comme ça. Fous-moi la paix. J'en ai rien à foutre de sa bestiole, mais je veux pas qu'il me parle comme ça. Foutez-moi la paix. Hein? Fichez le camp. Non! Arrête, lui, là! Oh!
Lui, non. T'en fous pas la paille. Ça va pour toi? Ouais. Christian, toi, faut t'écrire un peu. C'est pas mal. C'est bien mon lapin. Pas tout à fait dans les autres prises, c'est-à-dire l'espèce d'émotion tendre et déterminée qu'on avait dans la première partie. Et là, tout d'un coup, il y avait les deux, sauf que on sent dans ta vie, etc. Que là, tu ne laisseras pas. C'est des brutes et que voilà. Mais que logiquement, ça devait s'arrêter. Voilà, il a essayé. Logiquement, ça devait s'arrêter. Et ça, ça a bien marché. Ça a bien marché. Ah ouais, c'était parfait. Maintenant, on va faire la sortie. On va mettre le 25 sur la caméra, ça me paraît être la focale idéale. Tant qu'il voit le bagage, il y a d'autres potentiels. Il sort là, il s'en va, on le laisse sortir. Et Christophe et moi, c'est une véritable. Véritable histoire d'amitié forte. On vit cette aventure et on partage tous les jours au quotidien le personnage du film, le film, et puis les angoisses de se dire est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on a bien avancé, est-ce que c'est joli ce qu'on a tourné, est-ce que c'est ce qu'on voulait, est-ce que il me regarde tout le temps avec un point d'interrogation dans les yeux en me disant est-ce que c'est bien, est-ce que je suis bien, est-ce que j'ai donné ce qu'il fallait donner, avec ce long puzzle. Quel le plan par plan pour arriver jusqu'à la fin de l'histoire. Ces 60 km de pellicule qu'on a déroulé ensemble, sur lesquels on a marché, ri, pleuré, couru, avec nos lièvres qui par moments nous arrêtaient tellement ils faisaient des choses formidables. Christophe, très bien. Quand je suis avec ta badine, non, tu peux descendre le pain un peu dans le champ. Ça, recule vers toi, les yeux. Merci. C'est là, non? Moi, je pense que le début, on a. Et il sort. Très bien. Parfait. Coupé, merci. Oui, explique-moi. Alors, on y va. Dès que c'est chargé, on y va. Explique-moi. C'est prêt. Redescends-le un peu, le lièvre. Merci.